vous parler d'un livre qui s'appelle Mortel Petit Mensonge, le deuxième tome de Mortel Petit Secret, écrit par Laurie Faria Stolarz. Donc c'est l'histoire, on suit la vie de Camélia après qu'elle ait été enlevée par justement son ex petit copain. Et Ben, son copain de maintenant, l'a abandonné, il est parti, il a dit qu'il ne voulait plus la voir et tout ça. Et donc là, il va revenir et forcément, elle va pas réussir à s'empêcher de penser à lui, d'essayer de le voir. Et puis les lettres qu'elle recevait dans le premier, menace de son ex-petit ami, elle recommence à les recevoir dans ce tome-là. Et puis elle sent des choses, elle entend des choses bizarres, elle voit, quand elle fait de la poterie, elle sculpte des images qu'elle voit ensuite plus tard. Donc elle commence à se demander si elle a un peu le même don que Ben, qui lui justement en touchant les gens voit leur avenir. Et on va découvrir beaucoup de choses sur son passé, sur sa famille. J'ai trouvé que la suite était assez bien menée, on ne s'ennuie pas trop. Et voilà, elle a trouvé comment nous faire encore intéresser à cette histoire.